C'était la poudre noire aussi, ça. Obélisque. Tout noir, il faut deux tuyaux d'acier pour en faire une. Ok. Ça, on peut les faire si on en a besoin. Ah, j'ai pas vérifié d'ailleurs si dans la machine à tickets si on avait bien tout, en fait. Salut Lorex, bienvenue, merci pour ton raid, j'espère que tu vas bien, que ton stream Lego s'est bien passé. Salut Lordiane, bienvenue à toi. Hop, voilà. Bienvenue, nous on est sur Satisfactory ce soir. J'ai vérifié que ma carte était bonne et on a fait une production de munitions pour mon fusil que je n'avais pas encore. J'ai combien de tickets vu que ça tourne depuis 69 tickets. Voilà, et du coup, hop là, c'est des drones qui livrent. Il passe à travers la montagne, il passe au-dessus de la montagne. Ok, maintenant. Je me saoule de faire ce jeu alors que je suis pas là. Bah, je savais pas que tu étais pas là à la base. Bon, on n'a pas non plus avancé énormément. Je peux te montrer ce que j'ai fait. On a fait le tour de la carte d'abord. J'ai débloqué les nouveaux jalons que j'avais pas. Et j'ai juste fait une petite production rapide pour avoir des munitions supplémentaires parce que je commençais à être à court de munitions. Et j'en produisais plus actuellement. C'était dans mon ancienne usine temporaire qui était pas loin du magasin là. Et sauf qu'ils ont changé la recette. Depuis que j'en faisais, en tout cas ils ont changé la recette. Donc il a fallu que j'adapte un petit peu ça. Maintenant ça prend de... du truc de cuivre et des déchets quand on fait du caoutchouc ou du plastique. Donc je me fais et de la poudre noire du coup. Je me fais livrer de la poudre noire et du cuivre directement au niveau du pétrole par drone. Et de là je produis mes munitions. Simplement. J'avais pas envie de faire une gare aujourd'hui, en gros. Quoi ? Attends, j'ai rêvé ou il est tombé là mon tracteur? What? Comment tu vas remonter toi maintenant? Ah, c'est TP, d'accord. Ok. Je me suis remis au jeu avec l'accident. Bah ouais, j'avais jamais vu faire ça. Bon, il se re-TP donc ça va. Du coup, on a ici les drones qui arrivent. Ça, j'en ai pas besoin d'ailleurs. Là. Les drones qui arrivent, qui livrent du cuivre et de la poudre noire. Pour le plus, déplace en TP, c'est ça. Et du coup, on a une chaîne. Oh là, ah, ok, ça va passer vite. Très bien. C'est pas grave, hein, moi l'important, je cherchais pas à optimiser pour l'instant ça, donc voilà. J'ai rajouté ici une raffinerie qui fait avec un petit surplus, qui fait un peu de caoutchouc. Et qui remplit surtout le résidu. Ici, on fait de la poudre sans fumée, du coup. En utilisant de la poudre noire et du résidu. Et ici, du coup, avec ça, on peut faire des munitions pour le fusil avec de la tôle de cuivre et de la poudre sans fumée.
Et dès qu'il y a du surplus, ça fait des tickets. Et le drone, c'est bien, c'est que tant qu'il n'est pas déchargé, il reste là, en gros, si je comprends bien. Pas de drone? Comment ça, pas de drone? Je vois qu'il y a un drone. Je sais pas trop ce qui se passe, pourquoi j'ai un état comme ça, mais... Ah, il est en train de redécoller. Bon, il devait pas être vite. Bon, c'est pas grave, il redécolle. Il m'a fait un petit peu peur là, mais bon, c'est bon. Il a dû finir de décharger, donc voilà. J'ai mis du MK3, ça me servait à rien de mettre plus rapide, du coup, ça serait gâché un peu de ressources. Donc ça permet au drone aussi d'économiser un peu de batterie. Voilà, ça c'est très rapide pour l'instant, ça me suffit du coup. Il est beau le jeu, ouais. Et bon, j'ai vu qu'ils ont mis des nouveaux ennemis aussi. Là avant tout ça j'avais dégagé, mais c'est forcément vu qu'il y a une update, c'est revenu. Donc voilà, bon c'est cool, je suis content, je vais avoir des munitions parce que je pensais il devrait me rester à peine 1000 ou 2000 munitions, donc c'était pas ouf. Donc voilà, je suis content d'en avoir refait et voilà. Et puis la dernière mise à jour, surtout, quand on a de l'équipement, bah il est plus détaché de soi dans les hypertubes. Plus chiant qu'avant parce que les mouches, ça, elles spawnent en continu. Bah en fait tu peux tuer sans avoir de mouches en étant un peu loin. Tu peux tuer avant qu'ils sortent ses premières, les abeilles. Moi, j'avais plus mis ça sur des abeilles, mais des mouches, ok. T'as vu les nouveaux disjoncteurs? Ouais, je les ai débloqués. Après, je les ai pas testés. J'ai surtout vu qu'il y avait des nouveaux, poteaux électriques. J'ai pas encore testé. Pour, je crois, faire de la longue distance. Les pylônes, c'est ça. Alors, je les ai débloqués parce que c'était un jalon que j'avais pas. Mais je les ai pas encore installés. J'avais aussi le modéliseur Fixit que j'avais pas non plus. Pour faire du grappin, on peut faire du grappin dessus. Juste un peu de fil, on va en mettre 2-3, voir ce que ça donne. Donc voilà, et pour finir ma production, donc les ressources arrivent par en dessous, en fait elles descendent depuis les emplacements. Et ça arrive directement par en dessous pour livrer dans le drone. Save, et on va aller voir si c'est nouveau grappin. Et oui, j'ai le déjoncteur prioritaire. Ah, ils sont sympas quand même. Et c'est quoi l'intérêt du coup de ceux qui ont une plateforme? Pas de connexion, c'est normal.
Ah, ça relie les deux d'un coup. Ah, j'ai pas eu mal. Je comprends pas trop pourquoi. Mais ouais, c'est sympa ces nouveaux trucs quand même. J'aime bien. On va s'accrocher avec le câble. D'accord, ok. Donc en fait, tu les... Et longue distance surtout. Bah c'est surtout ça. Donc en fait, tu peux... C'est une connerie ou pas de faire du grappin sur le câble hein? T'as un outil pour ça? Ah ouais. Ah du coup, ok. Ça fait plus sérieux pour alimenter les différentes usines. Ouais, c'est clair. Clair, parce que je vois que j'ai des câbles qui passent tout le long là. Ça pourrait être intéressant de les changer. Je désactive les événements saisonniers par contre. Ouais, ça pourrait être intéressant à un moment peut-être de les remodifier. Tyrolienne, je l'ai pas vu. Là, ah ouais, ok. Un repousse xéno s'il faut, putain, ouais. D'accord, ok. Nice. T'as jamais testé ce truc? Non! Ah, attends, que je me fasse pas avoir. Existe depuis longtemps. Ouais, bah, j'ai jamais utilisé en fait. Après attention, hein, moi j'ai dû faire un stream sur l'update 7, donc moi mes connaissances datent plutôt de l'update 6. Hein. Ok, je suppose qu'il faut s'équiper avec. Ok, comment ça marche après? Ça, d'accord. Oui, d'accord, faut pas lâcher. Ok. Non, j'avais jamais utilisé. Ah, mais si, c'est vrai que si c'est des trucs à utiliser au début, en fait. Mais ouais, je veux bien te croire. Maintenant, je suis un petit peu équipé avec les différents camions, les trains et tout ça. Et surtout, enfin, le réacteur du dos, ça c'est génial. Quoi. Bien. Du coup, ça doit se charger tranquillement, mais... munitions. Update cast son apparition. Ouais, bah du coup, j'avais sans doute déjà commencé ma partie avant. Et j'en ai pas eu besoin. Encore que, est-ce que j'avais commencé avant? Non, peut-être pas. J'ai peut-être jamais juste pas utilisé. Non, c'est en dessous des munitions. Ok, c'est en train de se remplir tranquillement, donc c'est cool. Par contre, je vois qu'avant c'était des stacks de 500 et maintenant c'est plus que des stacks de 100.
On va attendre de voir quand le prochain va arriver. Ah, le tracteur arrive à peine. Le temps qu'il tombe, qu'il se re-TP. Ou alors ça c'est mes anciens. Peut-être que c'est mes anciens. Compliqué. Ouais non, a priori c'est 500 là. Ouais, non ok, il est en train de recharger les autres. Avant ça devait être 100 et maintenant ça doit être 500 en fait. Oui, d'accord, ok. C'est vrai, on peut faire ça. Oui, il était en train de charger les autres. D'accord. Bon, bah du coup, quand même, on a récupéré pas mal de munitions supplémentaires. C'est cool. On va pouvoir abattre à nouveau la faune locale. Du coup, je vais rendre ces 73 là. Et je vais prendre un stack de 500. Voilà. Faut trier, bon ça va se trier tout seul, hein, de toute façon dans le magasin, ça va se remplir tranquillement. Ok, bon c'est cool, je suis content d'avoir refait une production. Et derrière j'ai aussi fait les accès, c'est en dessous. Encore un peu le bordel par là, hein, mais là, à ce niveau-là, on est plutôt pas trop mal quand même. Je suis plutôt content. Et j'ai vu que maintenant, il y avait des... ça pourra me servir, parce que je savais pas trop comment j'allais faire pour celle sur le côté. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait des supports au plafond. J'ai débloqué les supports au plafond. Il semblait que j'en avais pourtant avant, mais non, a priori j'en avais pas. Donc ça c'est nickel. Du coup, je vais sans doute remonter d'un cran toutes celles qui sont sur les gauches, côté gauche et droite et les faire venir par le haut. Comme ça, ça va permettre de séparer et on sera pas mal, je pense. Tama risquait de souffrir de l'update d'une zone, c'est ça? Alors c'était l'update d'avant, l'update 7 au niveau de la zone ici, la zone pétrole, j'avais tout détruit avant en fait parce que je savais que ça allait gêner et du coup bah, j'ai refait seulement les minimums de choses, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de production pour l'instant et que c'est un peu mis au sol, mais voilà, quand ils ont refait toute cette zone là et il y a encore tout le chemin qui va jusqu'à la méga usine de charbon ici. Où y a beaucoup de trucs qui volent ou qui passent dans les pierres quand ils ont refait toute cette zone là. Donc là il faudra que j'en fasse un jour, mais il faudra que je rabatte tous les ennemis aussi. Et je vais voir, ce que je ferai sans doute une ligne de train qui passera par là. Donc, enfin, est-ce que je peux mettre mes voies de train? Bref, j'ai une voie de train qui passe par là du coup. Ici je pense qu'elle reviendra rejoindre sans doute par là pour repartir vers l'usine de charbon par ici. Et je crois que dans les marais ça a un petit peu changé. Mais pas trop, ça me gêne pas trop. J'ai à nouveau des arbres aussi au niveau de l'usine de batterie qu'il faut que j'enlève. Voilà. Et puis après bah, on va pouvoir s'attaquer au nucléaire. Centrale nucléaire que je vais faire par là, bien isolé dans un coin de la carte. Avec une zone où on peut descendre et mettre des déchets tout en bas. Après il faut que je regarde comment ça marche maintenant le nucléaire. Voilà. Mais il y a une voie de train qui permet d'atteindre en gros déjà l'uranium ici. J'ai une voie de train qui va faire tout le temps. On va avoir un train radioactif qui va suivre la voie de train, mais voilà. Là, il faut que je fasse à la gare. On a ici là. Je vais faire la gare côté pétrole. Et je comptais ici mettre une sorte de... Ah, ça va rien avoir en jeu, mais juste plus côté RP. Une sorte de gare de triage ici, avec plein de voies et plein de gares différentes. Une sorte de technicentre que je comptais mettre là. Mettre 4-5 voies de rab pour mettre les trains. Pourquoi pas, voilà c'est ça. Parce que moi j'aime bien quand les trucs touchent le sol et tout ça, et là moi je me dis tiens, ça j'ai un endroit, si mon train il arrive en rade, et ben je peux le réparer. Si ça, il n'y a aucun moyen de le faire en jeu, au moins
Je pense que ça pourrait être assez fun. Enfin, moi, ça m'amuse en tout cas d'avoir ça. Je vais vous montrer où ça va être. Et puis après, je vais sans doute m'arrêter là. Il est où le train ? Ok, il est pas là. C'est bon, on a le temps. Alors pour l'instant, j'ai encore des trucs qui volent, évidemment, mais... Et ce que j'aime bien aussi, c'est que les panneaux, là, maintenant, tu peux les changer de beaucoup plus loin qu'avant. Faut que je me mette à la vue, puis me mette au train. Ouais. Ah, moi, le train, ça m'occupe depuis un bon moment. Alors après, là, c'est encore la zone, la voie qui est en construction. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de pilier. Mais le train de... ne roule pas ici. Enfin, le train officiel ne roule pas ici, plutôt. Voilà, et c'est en gros ce côté-là que j'aimerais faire le technicentre. Et là, en gros, il faut que je vois exactement où est-ce que je vais mettre la gare par ici. Je peux peut-être faire la gare le long là, ça devrait être pas mal. On devrait avoir la place où je mesure. Et avoir avant la gare une voie qui part sur la droite ici. Et qui arrivera derrière le technicentre. Et là ici il y aura le technicentre en fait avec 5 voies de garage sans doute et un bâtiment autour. Et ça reviendra se connecter sur le réseau ici. Ça m'effraie de construire dans la zone d'eau semi-buggée. La zone d'eau semi-buggée, c'est-à-dire. Après moi je vais construire au-dessus, je vais pas construire dans l'eau. Le changement de biome, etc. Je me dis que ça n'est pas abri de longs changements des devs. Ouais, alors après, on arrive à la fin. Hein. Je crois qu'on se rapproche de la 1.0 maintenant. Ah, il y a des machins là qui. Ouais, ils explosent et. Mais ça, si on les tue de vite ou de loin, ça spawn pas trop. J'ai regardé, le train touche nulle part. Au niveau des pylônes et tout ça, ça passe. Dans mon ellipse. 5 balles. Et voilà, il faut que je vois si j'ai ça, la place en largeur de mettre l'endroit où je veux pour mettre ce modèle de gare là, vu que c'est mon modèle de gare comme partout. Après, vu qu'il y a le technicentre, si je fais le technicentre, il n'y a peut-être pas besoin d'avoir la voie de garage sur cette gare là. Enfin, sur la gare au niveau du pétrole.
Et donc, en gros, voilà où j'en suis. Et puis, je me suis amusé un petit peu ce soir là-dessus. Et puis après, il va falloir que je reprenne un peu les productions aussi, commencer à reconstruire des usines. C'est nouveau, ça. On n'avait pas une lune si proche de nous avant. On avait une grosse, mais je me rappelle pas qu'il y ait eu un truc si proche de nous comme ça. J'ai l'update d'avant. Ah ouais, mais j'ai dû jouer une fois à l'update d'avant. Salut Keto. Météorite. Ouais. Je la trouve louche. Surtout, elle me paraît vachement proche, quoi. Donc, en termes de gravité, tout ça, c'est un truc à ce qui finit sur nous. Pour aller dans la station. Bah, peut-être dans un DLC. Je sais pas trop. Je sais pas trop si au final ils vont faire la partie histoire qu'ils avaient dit de faire. J'ai mon Cybertruck avec les roues carrées, sinon. Il y a intérêt. Ouais. Donc voilà, donc c'est pas mal aujourd'hui. Là j'ai remis à jour ce qu'il y avait besoin de mettre à jour sur la carte. Je vais vérifier un petit peu tout. Tout fonctionne toujours. Pareil, on voit vachement la galaxie d'à côté. Et la géante gazeuse aussi. Je trouve que c'est vachement serré quand même, en fait. En termes d'espace. Et oui, et puis c'est l'event de Noël, donc. Mais je vais pas le faire. Même si bon, là, vu la taille qui est faite, elle est loin, la géante gazeuse. Tu as boosté le système de lumière de l'Unreal Engine. Non. Après, je joue en ultra, mais c'est tout. Pourquoi ? Alors, à part s'il me l'a mis directement. Comment ça s'appelle du coup? Lumière globale, je crois. Ouais, je préfère limite comme ça les reflets, non? Ou c'est moi qui dois... Ou je teste sur différentes choses, ça. Alors, ça doit être sur on. Ajouter les longues pour les lumières. Activer les ombres de contact. Ah si, c'est... Ouais. Pas trop fort à voir.
Bon, je regarderai ce que ça donne, mais ouais. Okay. Je trouve qu'ils ont un joli ciel étoilé quand même. Ah, mais t'as l'impression qu'elle va se cracher sur la planète, quoi. Bon, bref. C'est sympa de rejouer un petit peu. J'essaierai de refaire de temps en temps. Faut que j'y pense, c'est tout. Mais. J'avais pas trop quoi faire ce soir. Je me suis dit, bah allez, pourquoi pas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas construit les trucs. Il va falloir que je ressorte ma tablette avec. Ah, si, ça donne des effets sympas. Ok. Ouais, bon, c'est pas mal. Je sais pas trop où est-ce qu'on en est avant la sortie de la 1.0, sinon je sais que ça devrait peut-être pas trop tarder, mais bon, allez, hop, ça va être bon pour ce soir du coup. Sauvegarder. Je vais attendre, mais la 8.0 vient de sortir, donc au moins la prochaine dans quelques mois. Bah c'est ça, il y a encore un petit peu de temps d'attente. Et vers le bureau. Ok, et puis bah du coup on va s'arrêter là pour ce soir. On a 163 heures sur la partie, je viens de vérifier. Donc c'est pas mal. Je sais qu'il a fallu que je fasse une grosse mise à jour de 9 gigas quand j'ai voulu lancer tout à l'heure. C'est assez vite. Bref, allez, on va aller voir Nut du coup qui fait du Resident Evil ce soir. Merci à vous d'avoir suivi ce live. On se retrouve demain. Normalement, on fait du Baldur's Gate 3 avec Keto Vold et Jikouille. Donc voilà, ça va être assez cool. Et puis, bah, dès que je vais avoir reçu les pièces, on fera le prochain mock en Lego. Oui, ouais. Normalement, cette semaine, je suis là. Donc voilà. Prochain mock en Lego, donc ce sera soit en fonction de comment, quand j'en reçois les pièces, soit le duo, le mini duo Stargate, soit l'architecture Skyline Jurassic Park. Les pièces sont commandées pour les deux mocks, donc voilà, ça devrait être assez cool. N'hésitez pas à venir voir, et puis je pense que le prochain set, ça risque d'être l'attaque sur le terrier de Harry Potter. Ça me libérera une grosse boîte dans mon armoire. Allez, merci à vous, bonne soirée, je vous envoie chez Note, et à demain. Salut tout le monde.